Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Du coup ce matin ma maman et moi on part pour faire une randonnée et après on va finir à la plage. On va sur, je sais plus quelle commune mais je vous écrirai ça dans la vidéo. Les gars, il est 11h29 et on vient d'arriver à Port-Louis, à la plage du Souffleur. Et là, en fait, on a faim. De base, on était censé faire la randonnée directement. Mais là, je pense qu'on va d'abord manger. Du coup, on cherche des camionnettes à Bokit. Du coup j'ai pris un Bokit steak fromage ketchup. Je sais que c'est bizarre mais j'aime trop. Du coup je voulais un agoulou mais ils ont pas le pain agoulou. Du coup j'ai dû prendre un Bokit. Mais on va goûter. Donc un Bokit ça ressemble à ça pour ceux qui ne savent pas. Parce que je l'ai acheté et je veux bien que ça fonctionne. Parce que le week-end dernier ça n'a pas marché et qu'ils ont vu le vlog, vous savez. Donc cette fois-ci ça doit marcher. Dites-vous que j'en ai déjà mis ce matin en partant, mais je me dis mieux vaut trop que pas assez. Du coup, pour celles et ceux qui n'ont pas vu mon dernier vlog, j'ai acheté ça. C'est une huile qui est censée faire bronzer et en même temps protéger du soleil. On l'a déjà essayé le week-end dernier, mais elle n'avait pas fonctionné. Enfin, du moins, j'étais pas restée assez longtemps au soleil. Je viens de sortir de l'eau, l'eau est super bonne. J'ai filmé avec la GoPro mais je sais pas si vous m'entendez bien. Mais en tout cas l'eau est grave agitée. Je me suis niqué le pied sur une roche. Mais sinon elle est super bonne. Je pense que je vais retourner avec mon masque pour un petit peu plonger sous l'eau. Du coup les gars, ça sert strictement à rien d'utiliser le masque parce que c'est trouble. Il y a plein de grains de sable au fond de l'eau donc on voit rien. Donc je pense que je vais aller bronzer. Ouais, il y a les groupes. Les gars, j'ai interrompu ma séance de bronzage pour aller récupérer mon ordi dans la voiture parce que au bord de la plage, il fait déjà chaud. Donc imagine un petit peu comment il doit faire chaud dans la voiture. Et pour tout ce qui est ordinateur et tout, c'est pas top. Donc vu le prix auquel j'ai payé l'ordinateur, je vais très le récupérer. On va le laisser au bord de plage dans un sac. Parce que ça va pas le faire sinon. J'ai récupéré l'ordi, du coup il est dans mon sac. Et j'ai pris une pochette réfrigérée pour mettre l'ordi dedans. Parce que j'avais plus faim. Mais je sais pas si je suis la seule. Mais j'aime trop manger un repas. Après en mode si je mange une pizza, la manger un peu quand elle est tiède, un peu en fin de soirée et tout, genre en laisser un peu pour plus tard. Les agoulous et tout genre. Je sais pas si je suis la seule mais c'est trop bon après. On a fini l'après-midi à la plage. Du coup là je vais mettre ma robe que j'avais portée dans un haul TikTok. Je l'ai achetée chez Bershka pendant les soldes. Et du coup là on va partir chercher un endroit pour faire des photos avec ma robe.
Et puis voilà, je pense qu'en fait je vais continuer le vlog demain parce que demain on va faire un shooting photo. Donc je me dis que vous pouvez m'accompagner, ça peut être bien. Bref, du coup je vais me changer et puis on va partir pour chercher un endroit où faire la suite des photos. Du coup je me suis changée, là c'est bon, j'ai la petite robe sur moi et c'est parti pour chercher un spot. Et j'ai regardé en me changeant, je crois que j'ai une trace de bronzage, je suis trop contente. Bref, du coup c'est parti. Les gars, du coup on vient juste de quitter l'endroit où j'ai fait des photos pour mon Instagram. Du coup ça s'affiche là si toutefois vous voulez vous abonner pour voir les petites nouveautés. Et puis là on va rentrer direction la maison parce que demain j'ai le shooting photo comme dit tout à l'heure. Donc on va commencer à rentrer. Nouveau jour, du coup aujourd'hui on est lundi. Aujourd'hui c'est le jour du shooting photo comme je vous avais dit hier. Hier soir j'ai pas trop filmé parce que on est rentré, j'étais fatiguée. Dites-vous qu'hier soir en arrivant j'ai même pas fait de montage, genre j'ai directement été me coucher. Hier j'ai posté un vlog sur YouTube, 24 heures avec moi, et visiblement la vidéo vous plaît, du coup je suis contente. Normalement ce matin on se rend aux chutes du Carbet, elles sont fermées officiellement. Mais officieusement on va quand même y aller. Je sais pas si ça se dit dans cette situation officieusement, je sais pas. Mais bon bref, en tout cas on va quand même tester d'y aller parce qu'on est des aventuriers. C'est un petit shooting photo avec Axel, du coup vous le connaissez pas mais vous allez le connaître dans pas longtemps. Et puis voilà. Bref, en tout cas je vais vous laisser et je vais commencer à rouler parce que j'ai un petit peu de route avant d'arriver. J'arrive au lieu de rendez-vous, du coup c'est à Versailles pour ceux qui connaissent. Et du coup je vais l'attendre ici. On est arrivé, du coup la chute est fermée, c'est ça? Ouais. Bon, elle est fermée, mais bon, on va quand même y aller. Maman, si tu regardes le vlog, t'inquiète pas, je fais attention. Et puis, ben, c'est parti. On est presque arrivé. Il faut descendre des escaliers là et c'est chaud. Gars, on est bloqué. Je regarde, c'est fermé. Attends. Enfin, y a un tour. On a décidé de quand même aller. Alors moi, je mets des doigts. Je suis pas dedans, je descends. Bref, du coup, on va ranger toutes nos affaires dans les sacs et on va grimper. En plus, c'est bien marqué, c'est interdit de quoi que ce soit. Hein. On a fait des plans drone, on a fait des photos, on a fait des plans sous l'eau avec la GoPro. Bref, du coup, je pense que ce sera bien. J'ai encore une fois changé de tenue, du coup, maintenant j'ai un petit haut comme ça avec un bas de maillot. On vient tout juste de terminer
fini le shooting, du coup je crois que les photos sont très très jolies. Bah n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, je sais pas où je mettrai, mais en tout cas regardez ce que ça donne, parce que vraiment c'est du lourd, on a fait des vidéos, on a fait plein de trucs vraiment très vite, du coup voilà, trop bien. Maintenant par contre c'est le retour, et vous avez vu le chemin qu'on a fait à l'aller, faut faire ça au retour, donc cette fois-ci faut escalader, on va voir ça. Real things will not come easy, no. Never been your average girl. So take time with me, take time. Maybe talk to me. Les gars, on se retrouve quasiment une semaine après la fin de la vidéo. J'ai totalement oublié de filmer l'outro. Du coup, on se retrouve maintenant chez ma soeur pour filmer l'outro de cette vidéo. La vidéo sort cet après-midi. Du coup, je me dépêche histoire que je finisse le montage et que je la poste. Concrètement, mon week-end dernier s'est très bien passé. Le shooting photo était génial. La journée plage avec ma mère également. Et je vous mettrai bien évidemment à l'écran l'Instagram de Axel. Si toutefois vous êtes intéressé pour regarder ce qu'il fait ou autre, n'hésitez pas. Concrètement, j'ai déjà fait plusieurs shootings avec lui et à chaque fois... pépite. Du coup voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, à vous abonner à mes réseaux sociaux, et puis je vous fais plein de bisous et à une prochaine vidéo. Bisous.